Et bonjour les amis, on se retrouve pour cet épisode de sur Final Fantasy. Et donc, on s'était retrouvé, on s'était quitté, pardon, dans cette espèce de grotte habitée par tout un tas de monstres bizarres. Et, eh bien moi, j'ai avancé un tout petit peu et j'ai trouvé un autre niveau en profondeur. Donc on va aller voir ça ensemble. Voilà, c'est ici. Donc je vais voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Ah, il y a des coffres qui n'ont pas été ouverts, donc forcément... Oh, queue de phénix, pas mal. Forcément, j'y ai pas encore foutu les pieds. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oula, il m'a fait mal lui. Alors c'est parti, tac. Je fais que des attaques. Normalement, je devrais pas avoir de problème pour les buter. Ah, il était résistant quand même lui un peu. Je l'ai pas one shot. Allez, boum, terminé. Tac, tac. Oh, lui, il pèse. Ah, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a rien. Je vais aller par là. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, un coffre qui a été ouvert. Pavillon? Qu'est-ce que c'est ça, pavillon? Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Putain, il n'y a rien ici. Et là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ah. Mais... j'y suis déjà allé là? J'en sais rien, putain. J'arrive pas à comprendre si j'y suis déjà allé ou pas. Non, je pense pas. Vu que j'ai des coffres qui sont ouverts, donc... ça devrait pas. Et je me fais pas trop attaquer là, c'est bizarre. Ouf! Qu'est-ce que c'est que... envoûteur. Oulala, qu'est-ce que c'était que ça? Alors là, on va essayer d'y aller mollo quand même. Parce que je les connais pas, ceux-là. Alors lui, magie, tu vas voir, lui... des envoûteurs, qu'est-ce qui... on va leur foutre de la foudre sur la gueule. Voilà. Qu'est-ce qu'ils valent? Oh, pff, ils valent rien. Ils valent rien en fait. C'était des merdes, c'était des merdes. Trop facile. Oh, j'ai gagné des niveaux encore. Alors qu'est-ce que c'est que ça? La merde, lâchez-moi. Allez, terminé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous obtenez la couronne. Ah ben voilà! Ah ben c'est ça qu'il cherchait le... Ah ben parfait! Ah c'est bon ça. Et ça c'est quoi? Ah ben voilà! On l'a trouvé! Ah merde! Je suis pas en très bonne... en très bonne forme là. Je vais me foutre une potion dans la gueule. Ah, j'en ai plus que deux. Ah non. J'ai cru. Je sais plus. Tant pis, j'ai pas vu. Ah merde, il a poison en plus. Bon, on va soigner Daryl parce que sinon... en revanche, est-ce que j'ai encore... Oui, oui, les antidotes, j'en ai acheté plein. Parfait. Ensuite,
potion. Putain, les potions, elles commencent à plus faire effet, quoi. Ok, ça c'est bon. Alors maintenant, il faut ressortir, se barrer d'ici. On a trouvé ce qu'on voulait, donc on se casse. Normalement, l'escalier doit être par là. Je vérifie quand même les pièces. Ah, ben voilà, tu vois, j'ai bien fait. Brassard cuir. Ok. Cuivre plutôt. C'est quelle était la sortie là? Allez hop! Butez-moi ça vite fait là. Oh putain, encore du poison, sa race. Putain, je regarde pas ma vie moi et je suis pas très bien là. Je vais foutre un sort de souhait. Ah, il est mort, putain. Le mage est mort. Tant pis. C'est pas grave, je vais faire ça. Je vais faire objet. Ouais, je fais pas attention à ma vie, forcément. Ça peut pas le faire. Vas-y, voilà. Ensuite, donc, magie. Tac. Utiliser. Non, pas soin. Soin plus. Rend des HP à un allié, voilà. Soin plus, hop, voir. Voilà, parfait. J'ai plus de MP, j'ai plus de, oui, de MP, mais j'ai de l'éther, je crois que ça, regardez, voilà, c'est ça. Donc, je vais m'en foutre un petit, voilà, même deux, hop, voilà. Parfait. Ah merde, il y en a un qui est sous poison, hop, voilà. Voilà, parfait. On va sauvegarder. Parce qu'on n'a pas sauvegardé. Voilà. Et on va essayer de ressortir d'ici. Vivant. Si possible. Voilà, j'étais passé par là. J'avais trouvé cette porte. Où c'est qu'elle est la sortie, maintenant? Je m'en souviens plus. Là je suis bloqué. C'était où? Je crois que c'était vers le nord-ouest. J'adore la hache. La hache, c'est trop cool. La hache, c'est la vie. Je vais regarder si des coffres ont pas repop par hasard, on ne sait jamais. Je pense pas, mais bon. Oula, il y a du monde. Eh hey, merde, ce que je voulais éviter, putain. Ce qui m'endort mon mage, chier. Parce que du coup, voilà, fait chier ça. Avec mon mage, j'ai des AO et j'aurais pu tous les buter d'un coup, quoi. Ouais, ça va. Je m'en sors bien, je pense. Bon, ils sont pas très... solides, donc bon. Ils sont pas très gênants, quoi. Enfin, c'est plutôt nous qui gagnons de la robustesse à force, et donc du coup, ils nous font plus très mal, quoi. À force de gagner du level. Voilà, donc voilà le... Le combat là est pas très... Ils sont pas très palpitants là. Ils sont devenus un peu faciles à force de prendre du level dans la grotte là. Maintenant il va falloir se barrer d'ici.
Je sais plus comment... Où c'est. Je sais que j'ai encore... Là, je suis encore un étage en dessous. Alors là, on va pas se faire emmerder, parce que là... Il y a du truc à la con. On va brasier. Allez, brûle tout le monde. Allez, terminé. Fais ta vie. Hop. Faites l'amour, pas la guerre. Voilà, ça c'est fait. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a là? Ah non, c'est pas là. Putain. Faut remonter. Il faut... Putain. Je sais plus où c'était, moi. On va faire, c'est que je vais faire une ellipse et on se reprend dès que j'arrive au château pour rendre la couronne au roi. A de suite. Et voilà, on se retrouve au château pour rendre la couronne au roi. Et où c'est qu'il était? Il était là-bas, je crois. Oui. Ah bah il est là. Ok. Mouah! Vous êtes tombé dans mon piège. Ah merde. Je suis Astos, le roi des elfes noirs. Ah. C'est un boss. J'ai sauvegardé avant. Ça c'est un boss. En combinant les pouvoirs de la couronne que vous m'avez apportée et de mon œil de cristal, je vais devenir le vrai roi des elfes. Inutile de résister, je reprendrai mon dû par la force s'il le faut. Ah, ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Alors c'est parti. Par contre, j'ai pas commencé le combat full vie. Ça c'est un peu con. Mais c'est pas grave. Alors attaque, attaque. Le mage. Il va servir à soigner Goroth. Et ici, ici, on va pas s'emmerder. Alors le mage, il ressort du soin plus pour soigner Exil. Et c'est parti. Ah, un petit combat là, palpitant. Ouh, j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ouf. Ah ouais, il m'a la tué direct en fait. Ah oui. D'accord, j'ai pas de queue de phénix, rien. Ok. Je peux même pas, j'ai pas de sort pour... non, je crois pas. Je crois pas. Rage. Augmente l'attaque d'un allié. Je vais foutre rage sur... Tac. Voilà. Magie, je vais me faire un souhait à moi. Ah, c'est mal parti le combat là, c'est mal parti, c'est mal parti. Ça y est? Non. Ah bah si. Oh bah il était facile en fait. Vous obtenez l'œil de cristal. Très bien. Et on peut pas s'asseoir sur le trône histoire de dire ouais on a pris la place du roi, non? Bon. Donc je vais sauvegarder. Ça c'est une bonne chose de fait. En revanche, objet. Je peux pas. Ah oui, je suis obligé de revenir en mode... objet clé. Ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Objet clé, œil de cristal.
Un orbe de cristal translucide. Luf couronne. Extrême pureté, d'accord. Ok, bon mais... on a fait ça, maintenant on va aller voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres quêtes qui nous attendent. Et on peut pas aller de l'autre côté? Je me souviens plus si on l'avait fait ou pas. Non, mais on va quitter ce château, on va aller autre part. Allez, quittons ce château. Par contre, autre part, pour aller où, ça j'en sais rien. Est-ce que retrouver notre bateau serait utile? J'en sais rien. On va essayer d'aller vers le sud. Je sais pas ce qu'on pourrait y trouver. Je me rappelle plus. Non, je sais plus où j'avais foutu mon bateau. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourra trouver plus tard? Enfin, plus tard. Je veux dire, plus vers le sud, quoi, du coup. Ah, mais là, il y a que le. Et que les marées, en fait. Hein. Après, il faut le bateau, quoi. C'est ça. Putain. Bon, mais on va essayer de retrouver notre bateau. Vous savez quoi, je vais refaire une ellipse. Ce sera plus digeste pour vous. Et on se retrouve après. Bon, voilà, on se retrouve au village elfique. On va d'abord réanimer notre pote. Parce qu'on avait Daryl. C'est Daryl, je crois, oui, qui a crevé lamentablement durant le combat. Oui. Oui. Merci, mon brave. Ensuite, on va aller remettre tout le monde full vie à coup de dodo auberge. Oui. J'ai 13 000 gils, putain. C'est cool ça. Très bien. Normalement, on est opérationnel. On va faire une petite sauvegarde. Ouais, on va faire une petite sauvegarde. Ici. Parfait. Ensuite, on va aller voir un peu les sorts, où c'est qu'on en était, là. Ah oui, là... C'était le mage, mais le mage il est full. D'accord, ok. Et je peux pas utiliser... Ouais, c'est ça, impossible. D'accord. Ok. Au niveau des sorts, c'est un peu de la merdasse. Il me semblait qu'au niveau... au niveau des armures et tout ça, on était full. Enfin, on était... on avait pas besoin de... Ouais, voilà, c'est ça. Je vais regarder si je vais faire un petit équipement optimal, voir si il y a quelque chose. Oui, celui-là, on a changé un truc. Ok, c'est bon. Ça, c'est parfait. Putain, d'ailleurs, je vais parler avec les gens. Je suis un sage, le futur se révèle toujours à moi en temps voulu. Il suffit d'attendre patiemment. D'accord. D'accord, d'accord, si tu le dis. Si tu le dis, et lui c'est quoi? Maîtrise, oui d'accord. Vous devriez les essayer. Oui, mais t'es gentil, mais il faut en trouver déjà. Ici, on va acheter... on va acheter un peu de potions en stock. Voilà, je vais acheter un peu d'antidote. Voilà, il n'y a pas de queue de phénix, donc je suis niqué.
J'aurais bien voulu en acheter un petit peu. Ici, il y a de la magie blanche, sauf que je suppose qu'on ne peut y avoir accès. Magie rouge, mage rouge, mage rouge, mage blanc, mage sage blanc, mage rouge. Divise par deux les dégâts de glace. Soigne poison, ça c'est intéressant. Sauf que de toute manière, ah si, voilà. Merci, voilà, ça c'est intéressant. Au moins, plus de problème avec antidote. Divise par deux les dégâts de glace et celui-là, je peux pas l'utiliser. D'accord. Ok, alors ce que je vais faire, on va aller à l'autre parce que je sais qu'il y a un autre magasin de magie blanche. Ok. Ah mais celui-là était moins, était pas. Ah oui, c'est vrai, celui-là c'était pas. Ah d'accord. Ok, donc j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Parce que celui-là c'est pas le même niveau de sort. Quoique, on va peut-être. Ah mais non, on peut pas. Puisque c'est que des mages forcément. J'avais oublié. Par contre, paladin et ninja, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est un niveau. C'est peut-être un niveau supérieur. Je sais pas. Un niveau supérieur, par exemple, du moine ou. Donc du coup, ben, comme on n'a pas le choix, on va acheter le seul sort qui nous est proposé, celui-ci, à glace. Divise par deux les dégâts de glace. Voilà. Ensuite, ici, ah oui, c'est vrai, il y a les. Ah oui. Ah, j'avais oublié ça. Ah oui. Ah merde. Ah, j'ai dépensé 2500 pour rien. Double le nombre d'attaques d'un allié. Ah, ça c'est intéressant. Inflige folie aux ennemis. D'accord. Ah oui, ils attaquent leur propre. Ok. Gèle tous les ennemis. Ah, il y en a tellement d'intéressants. Endort profondément un ennemi. Ah. Stratégiquement, ça c'est pas mal. En revanche, gèle tous les ennemis, c'est. C'est bien aussi. Et booster, c'est excellent. Marque démence aussi. Je vais prendre booster et glacier en jetant l'autre sort que j'ai acheté pour rien. Ouais, on va faire ça. Tant pis, hein. Voilà, comme ça on a de la place pour glacier, ce qui me paraît intéressant. Voilà. Parfait. Je vais lui dire qu'est-ce qu'elle veut. D'accord, il me dit toujours la même chose. Lui pareil, je suppose, il va me dire à peu près. Ah oui, c'est le prince, il lui faut un. C'est pas lui, il lui faut un antidote ou je sais pas trop quoi là. Ouais, mais il est où ce prince d'ailleurs? Je l'ai pas trouvé moi. Ah ben Astos, il est. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un bug là, non? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y a peut-être un petit bug de. De la rom, je sais pas. Ou du rom. Un rom ou une rom? Une rom? Je suis un sage, machin. Bon, mais d'accord, hein. On va faire une petite sauvegarde. Voilà. Ouais.
Et après, on va essayer de retrouver notre bateau. Ça peut être ingénieux. Alors non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter ici. Et on se retrouve au prochain épisode. Tchuss.